le ramadan arrêté. Ah, arrête, c'est le ramadan, faut pas faire ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on se retrouve pour le premier repas à 5h du matin. Oh putain, il y a des araignées. Oh putain, waouh, il y a des araignées. Yo yo, j'espère aussi que vous allez bien. Enlève cette casquette là. Mais casse-toi, sale clochard. Donc la famille, on se retrouve pour le premier repas à 4h du matin. Enlève cette casquette toi aussi. Qu'est-ce que tu fais réveiller à 4h du matin toi? Hein? Je sais pas, on m'a réveillé. Regardez comment elle a d'énergie. Regardez comment elle a d'énergie. Regardez comment elle a d'énergie. Regardez là. Voilà cette casquette. Non, c'est bon, allez. Myriam, tu nous conseilles un petit repas pour 5h du matin. Je sais pas quoi manger. Par contre, pas un trop gros repas parce qu'après, je vais être dans mon lit avec mon ventre et je vais pas pouvoir dormir. Je sais que ça vous l'a déjà fait là-bas. Vas-y, propose ton repas. Alors, déjà, je propose que tu prennes une banane. Ok. Une banane, let's go. Ensuite, ensuite tu prends quoi? Ensuite, bah Yacine, tu peux décider. Moi, je vais vous dire un truc, vous allez rigoler sur moi. Truc suivant, Yacine, tu peux. Est-ce que dire. Tu sais, UDS, est-ce que vous savez, je vais jeûner combien de temps là? Il va jeûner plus de 20. J'ai pas mangé à partir de 17h. Et de 17h jusqu'à le lendemain, 20h30, je vais jeûner. Ça fait combien de temps? 28h, 28h de jeûne. Incroyable, parce que moi, je peux pas manger le soir. Alors, ensuite, Yacine, après la banane. Alors, après la banane, des princes? Des princes? Ouais, ça pourrait le faire. Des princes? Comment ça, des princes? Ok, prince, banane. Ensuite. Non, les gars, le meilleur aliment, c'est marrant, hein, excusez-moi, les gars. Excusez-moi les frères, mais c'est ça. Oh, c'est ça. Je vois ça. C'est ça, c'est pas ça. Ça du ok, tout. Des pinces. Et ensuite. Ensuite, après, fini. Est-ce que je propose que tu. Oh, ça me fait du poulet. Du poulet. Et du poulet. Donc là, vous me conseillez de manger ça. Attends, c'est pas fini. Non, pas les pinces. Et ça. Et des pâtes. Ok. Pas ça, par contre. Et attends, c'est pas fini. Le pire repas. Attends, c'est vraiment pas fini, le c'est pire pas repas. Moi. Pas des pinces. Je suis musclé, je peux pas manger ça. Et encore des gâteaux. De la mangue. Et de la mangue. Non, les gars, je vais faire mon propre repas. Et ça aussi, et ça. Parce que vous, par contre. Et ça, non, on va les ranger. Bah, on va ranger. Et frère, en plus, le repas 5h du matin. Ça, toi. Le repas 5h du matin, il est super important. Je vous en ai parlé tout de suite. Donc, on va commencer par prendre une poêle. Poêle. Donc là, on se met dans le contexte des abonnés. Vous venez de vous réveiller à 5h du matin, vous êtes comme ça, hein, je suis fatigué avec la bouche. Est-ce que vous aussi, quand vous vous réveillez, vous avez la bouche qui est un goût dégueulasse dans la bouche? Toi aussi, un goût dégueulasse? Ouais. Et donc, non, maintenant, c'est juste toi, tu pues de la gueule. Dès le matin, quand tu as un goût dégueulasse dans la bouche, tu vas manger quoi, Younes? Du poulet. Non. Des œufs. Ah, c'est bon, les œufs. Donc, dès le matin, des œufs. Deux œufs, ok. Laisse-moi les casser. On les met dedans. T'es sérieux? Ok. Il les casse comme ça. Bon, souvent, avant, quand elle était petite, à 5h du matin, on faisait une mission pour pas la réveiller, qu'on allait manger à 4h du matin. Et parfois, elle se réveillait, elle descendait comme ça, avec ses yeux graves ouverts. Moi aussi, je peux manger. Est-ce que vous voulez que je vous donne un glitch? Un glitch pour tout le monde. Vous savez que toute la journée, on peut pas boire de l'eau. Ouais. Il faut manger ça, des concombres. Pourquoi? C'est que de l'eau. 96% que de l'eau. 100%, il y en a un abonné, il s'appelle Rachid, derrière la caméra, il a fait... Pourquoi on est puni? C'est trop bon là. Rachid, dédicace à toi. Il y a que de l'eau la journée, comme ça vous allez être comme moi, vous allez être bien. Tiens Rachid, pour te rassurer. Attends. Rachid, tu vas devoir manger ça tout le temps. Tiens Rachid, pour te rassurer. Je sais que là t'es en train de pleurer avec les concombres, il y a ça si tu veux. Les Kinder. Toi tu veux normal. Non, parce qu'il y a toujours des Rachid qui vont pleurer. Rachid mange ça plutôt. Les mamans elles font toujours c'est des quoi, trucs. C'est quoi ça si je comprends pas? C'est. Qu'est-ce que c'est? Des fèves de quoi? Hein? Ça se mange, tu penses. Maman, c'est quoi? Mange, tu vois, là, le c'est quoi des fèves? C'est quoi des fèves? C'est ce qu'il y a dans les galettes des rois. Ah, il y a une bête. Merde. Bah, vous voyez, c'est en train de bien cuire. Mais Younes, pourquoi tu mets une casquette alors qu'on est à la maison? Parce que je suis pas coiffé. Là, c'est le concombre. C'est ce couteau, c'est le couteau le plus puissant qu'on a dans toute la maison. Une fois, tu sais, j'ai fait quoi avant-hier? J'ai mis du Nutella et comme Ahmad, j'ai fait ça, j'ai failli me couper toute la bouche. Oh là. Lolo. Donc, on va prendre cette quantité-là, regarde à peu près. Wesh, c'est quoi ce couteau? Et il est trop puissant. Et tu fais que des tranches légères. Comme ça. Et ça, c'est que de l'eau, les frères. Tu comptes maigrir? Il y a tellement de questions non, sur ça, Younes. Est-ce que pendant le ramadan, on peut maigrir? Non, moi je compte prendre de la masse. Ça y est, j'en ai marre d'être faible. Ah ouais? Quand t'es en sèche, t'es faible. T'es bien là, vas-y, me contracte pour voir. Wesh, pourquoi c'est rouge? Parce que. Il est dopé, t'es dopé. Tu me jettes un mauvais œil. Oh là là. Ouais, je me disais. T'as contracté toi? Ça m'intéresse pas d'être faible. C'est rien, je te regarde. Vas-y, contracte. J'ai rien. Mais vas-y, contracte. Bah, c'est ce que j'ai fait. Bah, vas-y, contracte. Bah, je le fais là. Tu me dis quand tu contractes, hein, t'inquiète, tu veux filmer. Vas-y, tu me dis. Je le fais, ça y est. Vas-y, contracte. Je l'ai fait. Ah, bien. J'ai testé être maigre, ça c'est grave nul, t'as pas de force. Et... Il te manque plus que la méthode d'être gros, t'as pas testé être gros. Non, gros aussi, j'aime pas. Essaye d'être gros, comme essaye. Ça, c'est pas mal. Ok, ok. Voilà, donc là, on a les concombres. C'est quoi ce gros bout là? Ensuite, on va ramener. Ça, c'est une assiette à 4h du matin, ça. Ouais. Là, il est actuellement.
Oh là là, malade. Actuellement 4h tu vois. Donc là t'as mis concombre, t'as mis des œufs. Ouais, et comme là il n'y a pas assez de protéines. Mange ça ou ça. Du coup moi les gars je mange que deux repas. Hein. Tu as inventé une heure et à 5h du matin. Non, on va mettre du poulet. Waouh, tout ça. Ouais mais dans tout ça, il y a des os, je vais pas manger tout ça. Est-ce que ça c'est que des os. Est-ce que tu fais comme les mecs de TikTok, tu manges les os avec. Non. Donc là voilà, on a assez de protéines, c'est carré. Pas, on va rajouter des pâtes. Ça c'est des pâtes de haut poulet rôti. Les os. Il y a la moitié de la. On voit rien avec ta tête. Il y a la moitié de la barquette. Tac. Et là on a un repas quasiment parfait. Et peut-être si j'ai faim, je mangerai ça, mais je pense pas. Mais là on a un repas parfait là. Je pense que ça va être ça mon repas de faire ce matin. Merde. Et je voulais vous dire, Myriam, écoute bien, assis-toi là, je vais non, non, non. Assis-toi là. Le repas de 5h du matin, il est très très important. Pourquoi? Parce que ceux qui prennent le repas du sol, les anges, ils prient sur vous. Non, pas forcément, on peut boire de l'eau aussi. Oui, ben laisse-moi finir. C'est pas un repas, on peut boire de l'eau ou manger une date. Et les anges, vous savez qu'on est, nous on est des êtres humains sur Terre et il y a des anges avec nous, ils sont invisibles, on les voit pas. Là il y a des anges, là il y a un ange ici, il y a un ange ici, lui il marque mes bonnes actions. Et lui, il marque mes mauvaises actions. Donc, les anges prient sur vous. Donc, n'oubliez pas de faire le repas. Comme il a dit Yacine, si vous n'arrivez pas à manger, vous mettez une bouteille à côté de votre lit. Ok, et vous buvez une gorgée. Qu'est-ce que j'ai dit? Vas-y, répète. Répète tout ce que j'ai dit. Je sais pas. Oh, les gars, on est sortis dehors. J'ai perdu Yacine. Je vous promets, je sais pas, il est où. Il est 23h là. On va pas tarder à y rentrer pour aller dormir. Il est là-bas, regardez. Il est en train de courir. Toujours débordé cet enfant. Je sais pas, il est parti où. Hey, j'étais parti où? T'es parti où? Je fais du sport. Y'a ta femme, elle t'a ramené des tiramisu ou quoi? Je fais du sport. Ah, de mentir, t'es parti où? T'es parti rencontrer qui? Non, depuis tout à l'heure, je l'attends devant la mosquée. Et lui, il avance. Je retiens. Bon, là, il est 23h30, tu vas dormir à quelle heure? Je sais pas. Ah, tu me réveilles pour manger, attention tu me réveilles pas. Moi je dors pas à 4h. Quoi? Moi je vais dormir à 1h30. Je compte sur toi ce ramadan pour me réveiller, pour manger. Si je me réveille pas, je suis dans la merde. Réveille-moi. Tiens, tu vas pas dormir. Tiens. Ah merci. Tu me réveilles, hein, tu vas pas dormir. Non, je dors à 1h30, 2h moi. Ok. 1 hour later. Bon, il est 5h du matin, Yacine, il m'a pas laissé dormir, il arrêtait pas de crier que et pas aller sur Fortnite. Il m'a rendu ouf. Oui, je joue encore sur Fortnite après. À quelle heure vous êtes rentré dans la mosquée? On est rentré à minuit. Et lui, il faut lui dire, va dormir. Je lui ai dit, mais je sais pas, il faisait que de crier. Ok, comme ça, demain matin, il se lève le plus tard possible. Ouais. Ouais, c'est pas bon ce qu'il fait. Là, on va manger, bismillah. Ça là, moi j'ai vraiment des concombres. Hein. C'est rempli d'eau. Et du coup, toute la journée, vous aurez de l'eau et tout. C'est vraiment super intéressant. Comme je vous ai dit, forcez-vous à prendre ce repas-là. Si vous prenez pas le repas à 5h du matin, là, ça va être dur. Alors le poulet. Mettez-moi en commentaire, vous mangez quoi vous à 6h du matin? Comme ça, je vais voir un peu s'il y a moi qui mange comme un gros comme ça ou si tout le monde mange comme ça. Et puis, moi, je vais vous laisser à la famille. Je vais finir de manger ça. Bon courage pour Ramadan. Ciao.